وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما Alors que dans le Coran, le nom de Mahomet n'est cité que quatre fois, celui de Jésus y est mentionné trois fois plus et davantage encore la Vierge Marie. Si Jésus parle dès sa naissance, fait des miracles, échappe à la mort, la Vierge Marie n'en est pas moins un personnage hors du commun. Le Coran admet que Marie était... Dieu l'a élue parmi toutes les femmes humaines, l'histoire humaine, de, à mine, de toutes les femmes, c'est la préférée de Dieu. Et la preuve en est, c'est qu'elle a porté l'esprit de Dieu en quelque sorte euh, et le verbe de Dieu. Et le verbe est nettement indiqué. Et il raconte son histoire et, et la défend. Vous savez, le, à cette époque en Arabie, il y avait un culte marial. Euh, il y a une petite secte, je crois que c'est au Yémen, et qui est considérée comme Marie, comme étant euh, la mère de Dieu, et, et euh, presque le quatrième élément de la Vierge, le quatrième élément de, euh, de la Trinité, lequel devient euh, quatre. C'est ce qui est arrivé entre parenthèses de fait, pas sur le plan du dogme, euh, au Moyen Âge euh, chrétien. D'ailleurs le Coran lui-même, dans une des sourates, la numéro 5, il y a tout un long passage où Dieu interroge le Christ, lui a dit est-ce que euh, tu as posé que euh, tu es Dieu Est-ce que tu as dit à, à tes adeptes de t'adorer comme un Dieu, ainsi que ta mère Donc, euh, ce n'est pas une erreur, c'est à cette époque, euh, il y avait un culte marial considérant la, la Vierge comme une espèce de déesse. Euh, bon, puis c'est resté dans la tradition chrétienne, la mère de Dieu, et euh, cela existe jusqu'à aujourd'hui, surtout en Orient d'ailleurs. Pourquoi est-ce que le Coran, par exemple, euh, reproche aux chrétiens d'avoir trois figures divines, Dieu lui-même, Jésus et Marie. Ça ne correspond pas du tout à la Trinité chrétienne qui énumère le Père, donc Dieu lui-même, le Fils, en effet Jésus, Christ, mais la troisième personne c'est l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce que le Coran fait cette confusion, ce qui apparaît aux yeux des chrétiens comme une confusion Peut-être parce que il y a eu toutes ces querelles sur le titre Théotokos, celle qui a enfanté Dieu. Et que, encore une fois, dans une tradition où domine l'oralité, on a transmis l'idée que les chrétiens adoraient Allah comme père de Jésus et Marie comme sa mère. Elle est celle qui a enfanté Dieu. Et Jésus est fils de Dieu. Donc voilà la Trinité. La figure de Marie dans le Coran est exceptionnelle. C'est le seul personnage de femme désigné par son nom. Comparé à beaucoup d'hommes, sa place n'a pas d'équivalent dans le Coran. Devant une figure si extraordinaire, notre première question, c'est pourquoi Pourquoi cet intérêt pour Marie il y a d'autres figures maternelles sur lesquelles le Coran aurait pu en dire davantage. Sarah, la mère d'Isaac, ou bien Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste. Mais c'est cette figure de mère que le Coran a mise en avant, ce qui sous-entend que le Coran a pleinement conscience de l'importance de Marie dans la réflexion chrétienne des premiers temps. On peut la rendre remarquable en disant qu'aucune autre femme n'est la mère d'un enfant engendré sans père. Il n'y a pas de Joseph, par exemple, dans ce récit. Pourquoi Dans le contexte chrétien, la présence de Joseph est rhétoriquement parlant puissante parce que vous avez quelqu'un qui pourrait être le père, mais qui à vous ne pas l'être. dans le coran, quand on raconte l'histoire, joseph est absolument absent de la narration. pourquoi? précisément parce que même si l'attente est la même, vous croyez que jésus est le fils de marie produit par dieu. et cette croyance repose sur le fait qu'il y a un homme absent. Reste l'accusation de prostitution. Vous avez dû coucher avec n'importe qui. C'est ce que Jésus réfute et c'est pourquoi le Coran a créé cette Marie coranique. Les évangiles de Matthieu et de Luc mettaient en scène Joseph, l'époux de Marie. Le Coran l'ignore. Directement créé par Allah, Jésus est Messie, verbe de Dieu, et vient miraculeusement au monde enfanté par une vierge. Et pourtant, le Coran réfute son caractère divin. Son of Mary. Fils de Marie, on peut soupçonner que le Coran accorde une valeur particulière à cette expression, et nos soupçons sont renforcés par l'absence presque absolue de cette expression dans le Nouveau Testament. Il y a une seule occurrence dans une scène qui se passe à Nazareth. Les gens disent à propos de Jésus Est-ce que c'est le fils de Marie en dehors de ce passage, on ne trouve jamais cette expression dans la littérature chrétienne primitive, mais c'est la manière de désigner le Christ dans quelques évangiles syriaques. Certains spécialistes en ont déduit une influence de la littérature syriaque chrétienne sur le Coran, en particulier à travers cette expression ⁇ Fils de Marie ⁇ mais avant d'avoir recours à cette interprétation, on peut se demander plutôt quel est l'intérêt du Coran. Quel argument cela pourrait-il lui fournir Et là, nous devons nous demander qu'est-ce que le Coran rejette à travers cette expression. L'expression Jésus-fils de Marie ou bien le Messie Jésus-fils de Marie apparaît assez souvent dans le Coran. Ça d'ailleurs pour, pour conséquence que le prénom de Marie, Mariam, euh, apparaisse finalement assez souvent dans le Coran, une bonne trentaine de fois, c'est-à-dire davantage en fait que dans les évangiles canoniques et les actes des apôtres réunis. Alors, l'expression « fils de Marie », pourquoi le Coran revient-il aussi souvent sur l'expression « fils de Marie » Si on regarde la logique, et la rhétorique du texte coranique euh, appeler jésus fils de marie euh, c'est aussi euh, dû à un fait très simple c'est que euh, bien sûr jésus le fils de marie et le coran c'est un point qu'il faut rappeler affirme on l'a vu de manière non ambiguë la conception virginale hein. jésus est né d'une vierge marie donc il n'a pas de père euh, et c'est le point très important. Euh, Jésus n'est le fils que de Marie, du point de vue de la dogmatique coranique. Euh, il n'est pas pour autant le fils de Dieu. Comment le Coran peut-il se référer à Jésus Il ne considère pas que son Père soit humain. Et pourtant, Jésus est humain. Donc il n'a pas d'autres options possibles que de l'appeler fils de Marie pour insister sur son humanité. Si vous dites ⁇ Jésus est le fils de Marie ⁇ cela sous-entend qu'il n'est pas le fils de Dieu, sinon Marie deviendrait l'égal de Dieu. Donc dans un contexte chrétien, si vous dites que Jésus est le fils de Marie, vous remettez en question sa divinité. Dans l'islam, si on dit Jésus fils de Marie, c'est le plus bel hommage que vous puissiez rendre. D'un côté, vous affirmez l'humanité de Jésus et de l'autre, vous confirmez que la conception virginale ne peut être que l'œuvre de Dieu. C'est une manière hyperbolique de distinguer Jésus. Là aussi, le Coran reflète les positions de Mahomet et de ses disciples sur Jésus et sur son identité, sur Marie, sur les affirmations chrétiennes, ce qu'on peut accepter, ce qu'on peut tolérer, ce qu'on doit rejeter. On voit dans la Sourate 2 qu'un groupe d'habitants de Najran au Yémen était venu rencontrer le prophète de l'Islam et qui lui avait posé la question suivante Que veux-tu de nous, Mahomet Il répondit Je veux que vous deveniez musulmans. Ils ont répliqué, mais nous sommes musulmans. Il leur a répondu, mais votre islam est victime de distorsion, car vous croyez que Jésus est fils de Dieu. Alors cette délégation venue de Najran lui a répondu, si Dieu n'est pas le Père de Jésus, eh bien, qui est son père Et là, Ibn Isham raconte dans la biographie du prophète que Mahomet n'a pu répondre et qu'il n'a rien ajouté. Lorsqu'on proclame que Jésus est le fils d'une femme, celui qui écoute la sourate va objecter. Attendez, il n'a pas de père. Ce n'est pas dans la tradition du monde arabe. Vous êtes toujours nommé d'après votre père, pas d'après votre mère. Une bonne façon d'insulter quelqu'un, c'est de lui lancer ⁇ Tu es le fils de ta mère ⁇ Donc lorsque le Coran prend position et dit ⁇ Jésus, fils de Marie ⁇ alors que c'est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de l'humanité, c'est une manière de subvertir le système et de dire ⁇ J'ai ma propre position par rapport à Jésus ⁇ c'est une désignation très forte. On pourrait le nommer simplement Issa, comme on dit Moussa, Moïse. Mais dire le Messie, Jésus, fils de Marie, messager de Dieu, c'est comme si on donnait une gifle en plein visage. Cette appellation problématique de fils de Marie n'apparaît qu'une fois dans le Nouveau Testament, au début de l'évangile de Marc. Le Coran reprend pourtant systématiquement cette désignation, alors qu'elle est la source des accusations d'adultère ou de prostitution contre Marie. Cette terrible calomnie à laquelle fait allusion le verset 156 de la Sourate 4. 4, dans la Sourate 4, le verset qui précède la crucifixion fait allusion aux propos des Juifs à l'encontre de Marie. Mais le Coran ne nous en dit pas plus. Il joue aux devinettes avec nous. On se doute seulement de la nature de ces paroles. Dans leurs mécréances et dans leurs propos contre Marie, il y a une grande calomnie. Burthana, qui vient du syriac, veut dire calomnie. Quelles seraient donc ces accusations fausses et scandaleuses contre Marie Ici, on pense évidemment au Talmud qui accuse Marie de ne pas avoir conçu son enfant avec l'Esprit Saint, mais avec un soldat romain païen, ce qui serait la relation sexuelle illicite, la pire qui soit. Le texte est très allusif, comme très souvent, pour ne pas dire toujours, dans le Coran. Et donc, les destinataires du message, pour comprendre ce dont il est question, évidemment, devaient savoir hein, ce dont il était question. Et donc, devaient savoir que la calomnie en question, l'infâme calomnie qui est prononcée contre Marie, c'est le fait d'accuser la Vierge Marie de fornication, d'adultère ou de prostitution. Lorsque le Coran mentionne cette immense infamie, il fait vraisemblablement allusion à ce qu'on pourrait appeler les calomnies juives sur la naissance de Jésus, et notamment sur les récits chrétiens de la conception virginale, donc qui figurent dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu et surtout dans l'évangile de Luc. Donc, que nous racontent ces écrits chrétiens? Les évangiles, donc ces évangiles canoniques reçus par l'Église depuis, depuis toujours, on peut dire, nous précisent que la naissance de Jésus ne s'est pas passée de façon habituelle, de façon normale, mais qu'un ange est apparu à Marie, l'ange Gabriel, dit l'évangile de Luc, et lui a annoncé donc cette conception miraculeuse. Elle garderait sa virginité. Pour l'époque, c'était compris comme une virginité physiologique, évidemment. Et ça ne l'empêcherait pas de concevoir et d'enfanter. Alors, toute une partie de la dogmatique chrétienne s'est construite sur, ce, sur ces quelques versets à propos de Marie. Mais il y a d'autres versions de l'histoire, bien entendu, et en particulier ce qu'on peut appeler des versions juives. C'est-à-dire que, euh, assez vite, les... on voit apparaître dans différents textes une version alternative c'est que, même deux versions alternatives, c'est que euh, tout simplement, Joseph et Marie ont eu Jésus, comme un papa et une maman ont un enfant, selon la manière habituelle. D'autres même, euh, d'autres versions, d'autres textes qui circulent, disent que Marie a été euh, violentée, ou qu'elle s'est prostituée, que le géniteur de Jésus est un soldat romain, etc. Ces textes, euh, donc, se sont répandus dans la une certaine littérature juive. Et euh, la dernière forme, la plus élaborée, c'est ce qu'on appelle les Toledot Yeshu, donc les, littéralement les généalogies de Jésus. On peut, on peut traduire l'histoire de Jésus, puisque le mot Toledot, pratiquement en hébreu moderne, veut dire histoire. Et alors qu'il raconte sous forme d'un roman populaire, euh, considéré comme blasphématoire, évidemment, par les auteurs chrétiens, euh, qui élabore cette version alternative. On peut bien sûr comprendre de cette façon la formule Ibn Mariam, fils de Marie. On peut l'entendre comme dans les polémiques rabbiniques avec les chrétiens qui attribuent à Jésus une généalogie douteuse, très néfaste pour sa réputation. Mais d'un autre côté, il est indéniable que dans le Coran, Marie jouit d'un statut très élevé. L'enfance de Marie, la naissance virginale, l'annonciation par l'archange sont racontées assez longuement dans deux sourates. Et ce respect que le Coran manifeste à l'égard de Marie est de nature à renforcer l'image positive de Jésus. La Sourate 19, la Sourate Mariam, raconte comment la Vierge Marie est tombée enceinte tout en restant pure. Elle raconte sa frayeur, son accouchement. Marie est bouleversée. Elle voudrait que cela ne lui soit pas arrivé elle préférait mourir parce que personne parce ne va, qu va la croire. Comment enfanter en étant vierge France Donc quand elle met au monde ce bébé, sa communauté l'interpelle. Comment as-tu pu commettre cette faute alors que tu viens d'une famille respectable Tu dois être une prostituée. And we have et c'est Jésus, le bébé qui vient de naître, qui doit défendre sa mère. Je suis l'esclave de Dieu. C'est un miracle qui se produit. À l'exception de l'évangile selon Jean, le Nouveau Testament accorde peu de place et peu d'intérêt au personnage de Marie. À l'inverse, les récits apocryphes chrétiens, les récits populaires non canoniques, comme le protévangile de Jacques et le pseudo-Mathieu en font grand cas. Une attention que semble largement partager le Coran, notamment dans la Sourate 19, la Sourate Marie. Je vais lire à présent un extrait de la Sourate Mariam. Marie se couvrit d'un voile qui la déroba à leur regard. Nous envoyâmes vers elle notre esprit. Il prit devant elle la forme d'un homme parfait. Je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un fils. Comment aurais-je un fils répondit-elle. Nul homme ne s'est approché de moi et je ne suis point une prostituée. C'est ainsi. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Nous ferons de lui un signe pour les hommes. Le décret est irrévocable. Elle devint grosse de l'enfant et se retira dans un endroit éloigné. Les douleurs de l'enfantement la surprirent auprès d'un tronc de palmier. Plut à Dieu, s'écria-t-elle, que je fusse morte avant et oubliée de tous. L'enfant lui cria, Ne t'afflige point, ton Seigneur a fait couler un ruisseau à tes pieds. Secoue le tronc du palmier, des dates mûres tomberont vers toi. Mange et bois et console-toi. Et si tu vois un homme, dis-lui J'ai voué un jeune au miséricordieux. Aujourd'hui, je ne parlerai à aucun homme. Elle est là chez sa famille, portant l'enfant. On lui dit Ô oh, sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme méprisable, ni ta mère une femme suspecte. Marie leur fit signe d'interroger l'enfant dans ses bras. Comment, dirent-ils, parlerons-nous à un nouveau-né Il dit, Je suis serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a constitué prophète. La paix sera sur moi du jour où je naquis, au jour où je mourrai et au jour où je serai ressuscité. Ce fut Jésus, fils de Marie, pour parler la parole de la vérité on a le sentiment d'une part d'un texte qui, est, euh, qui reste très obscur et concis, et qui par ailleurs ne correspond absolument pas au récit sur la nativité que l'on trouve euh, dans les évangiles canoniques. C'est-à-dire que l'impression générale que l'on a en regardant euh, ce bref récit de, de quelques versets, bon, c'est que le euh, con raconte une histoire qui n'aurait euh, aucun parallèle. Dans, dans les récits, dans les récits chrétiens. En fait, cette impression, elle est, en mon, mon avis, je fais partie des, des gens qui ont travaillé sur la question, qui sont de cet avis-là en tout cas. Cette impression donc d'une absence de parallèle complète, elle est, à mon sens, totalement infondée. C'est-à-dire que si on regarde tous les détails du, du passage et que l'on va chercher les parallèles dans les bons textes, on se rend compte que absolument tous les passages, tous les éléments ou quasiment tous les détails, tous les détails même. Ont des correspondances étroites avec soit des textes apocryphes chrétiens, soit des traditions populaires ou liturgiques, notamment palestiniennes. Pour rapidement expliquer ce dont il est question, on a dans la sourate 19 et également dans la sourate 3 qui reprend l'histoire de Marie, une influence considérable des traditions issues d'un texte que l'on appelle en général le Protévangile de Jacques. Alors le Protévangile de Jacques, qui est un texte qui à l'origine s'intitulait le livre de la Nativité de Marie, est un texte composé en grec au deuxième siècle on va dire après jésus-christ et un texte qui raconte en fait euh, la naissance l'enfance de marie et puis la nativité donc un texte qu'on appelle protévangile au sens où il décrit les événements euh, qui précèdent la prédication même et l'annonce même de la bonne nouvelle par jésus plus tard le protévangile de jacques est un texte qui a eu un, un, un succès euh, assez considérable euh, dans l'orient chrétien euh, dans, la, euh, dans les traditions issues du protévangile de Jacques sont très connues dans l'Orient chrétien. Elles ont aussi beaucoup influencé, par exemple, l'iconographie de la Nativité. Pour prendre un exemple très simple, euh, qui n'est pas relatif uniquement au christianisme oriental, l'idée de Marie et Joseph se dirigeant donc Marie sur un âne vers le lieu de naissance de Jésus. Bon, cette idée-là, elle n'est pas dans les évangiles canoniques, elle est dans le protévangile de Jacques. Or, si on regarde les versets 16 à euh, 23 de la Sourate 19, on se rend compte que, sur ce point précis, le Coran suit très directement des épisodes relatifs au protévangile de Jacques. Hein. Dans le cadre du protévangile de Jacques, Joseph et Marie partent de Jérusalem pour aller vers Bethléem, mais à mi-chemin, très précisément euh, dans le lieu où, euh, du tombeau de, où Rachel... Euh, a donné naissance à benjamin puis est morte marie ressent euh, les prémices de l'accouchement et euh, elle descend donc de l'âne et joseph cherche une grotte à proximité pour l'accouchement il est très probable que effectivement le, euh, euh, le, le coran suive ici le, euh, le récit du protévangile de jacques euh, Jusqu'au verset 23, quasiment, avec une différence intéressante sur le verset 23. Euh, le verset 23 euh, insiste de manière très empathique hein, sur les douleurs de l'enfantement que ressent Marie. Dans la sourate 19, toujours verset 23, on lit ceci Les douleurs de l'enfant, sous-entendant de l'enfantement, il s'agit de, de la naissance de Jésus, ben, l'a surpris auprès du tronc du palmier. Il a nakhla. Nachla. Elle dit, malheur à moi, que suis-je morte, que ne suis-je morte, totalement oubliée. Alors, la mention du palmier dans l'épisode, visiblement, de l'enfantement. En général, on parle de la crèche, et le palmier rappellerait, rappellerait plutôt, rappellerait plutôt euh, le départ en Égypte. Alors bon... Dans l'évangile apocryphe du, de Matthieu, le pseudo Matthieu, appelé aussi évangile de l'enfance, chapitre 20e, verset 1 suivant, disons que selon les spécialistes, cet évangile du pseudo Matthieu ou évangile de l'enfance, il y a plusieurs évangiles de l'enfance, hein. ici c'est l'évangile le de l'enfance qui a nom aussi pseudo Matthieu, pourrait être des dernières décennies, Écoutez-moi, du 6e siècle ou première du 7e Extrêmement intéressant. On n'est pas loin de Mahomet. On est presque au contemporain. Le Jésus du Coran n'est pas né dans une étable, comme le croient tous les chrétiens. Il est né sous un palmier près d'une source. Et Because the Quran says that Mary was in... Marie souffre terriblement de l'accouchement. Elle crie, elle souhaite mourir. Et puis le Coran la console en disant, voici un palmier et une source, ici tu trouveras à boire et à manger. À boire et à manger, ce n'est pas exactement ce dont a besoin une femme qui accouche. C'est clair que cette histoire vient du récit chrétien de la fuite en Égypte. Épiphane, au IVe siècle, était agacé par la question que les gens posaient. Comment Marie et Joseph ont-ils pu trouver quoi que ce soit à manger durant la fuite en Égypte à travers le désert du Sinaï c'est bien vu si l'on s'intéresse aux aspects pratiques de la question. Épiphane répondait, Dieu a provoqué un miracle. Il a fait apparaître un palmier et une source. Mais la vraie question est, comment cela a-t-il été transféré au récit de la naissance de Jésus Beaucoup des récits coraniques Concernant Marie, Jean-Baptiste, Zacharie, Zach... ben, euh, Jésus, euh, j'allais dire, sont empruntés aux évangiles euh, dits apocryphes. C'est trop vite dit. Euh, je dirais plutôt qu'ils ont des points communs. On retrouve dans le Coran, puisque les évangiles apocryphes sont antérieurs, on retrouve dans le Coran des éléments que l'on trouve, pas forcément... Exactement semblable, mais qu'on qu retrouve dans certains évangiles apocryphes. Et là, euh, avant d'entrer de, de, dans tel ou tel exemple que je vais donner, je voudrais faire une remarque parce que euh, on, euh, ça fait des débats euh, depuis longtemps euh, chez les chercheurs occidentaux. Hein. Euh, euh, J'essaie je, de résumer c'est prendre les choses d'un peu de haut mais ça donne de la distance et de la profondeur historique à notre recherche parce que les choses que nous évoquons maintenant traînent dans l'air depuis longtemps et euh, euh, c'est autour de euh, de l'an 2000 pour des raisons que euh, qui seraient faciles d'évoquer bah, que euh, c'est question des influences au Coran que le coran qui, qui sont exercés sur le Coran a été... On dit plus influence maintenant, c'est un mot mal vu. On dit l'intertextualité tout en ne sachant pas toujours ce que ça veut dire. mais bon, appelons ça intertextualité si vous voulez. Bon, bon, je, je, bon, ce n'est pas infamant de dire que tel, euh, tel auteur, tel écrivain a subi l'influence de tel autre. Alors, pourquoi le Coran et les évangiles et, et, et la Bible et, et, Que serait la Bible s'il n'y avait pas, euh, peut-être, eu avant, euh, évidemment, non pas peut-être, même certainement, les euh, euh, Égyptiens bon. Je ne cherche pas à me donner raison, mais je cherche à épouser euh, tous les aspects, à voir tous les aspects, n'est-ce pas, pour bien répondre. Eh bien, euh, la réponse dernière, ça serait peut-être celle-là la place que Marie occupe dans les apocryphes. C'est le terreau du Coran. Vous comprenez on a, on, a, on, a, on a sinon que les quelques chapitres dits Évangile de l'enfance de Luc. C'était trop peu. Il fallait que le merveilleux y trouvât son compte. Après Jésus, le Coran s'empare du personnage de sa mère pour la laver de la calomnie et l'ennoblir. La Marie musulmane, la Mariam des sourates 3 et 19, réunit en une même figure la Vierge Marie, chère à la tradition chrétienne, et la Myriam de la Bible hébraïque, sœur de Moïse et d'Aaron. La manière dont le euh, euh, le, le Coran s'adresse à Marie est tout à fait intéressante, puisqu'il en, il en parle comme de la sœur d'Aaron. Ô hein. sœur d'Aaron, Urt Haroun, euh, ce qui est une expression qui a, euh, on va dire, mm, posé énormément de problèmes, aussi bien à la tradition musulmane qu'aux euh, historiens occidentaux, parce que euh, qu'est-ce que ça veut dire dans le Coran que. Euh, parler de Marie comme de la sœur d'Aaron. Euh, on sait en effet qu'il y a euh, une Marie qui est une Mariam, si on veut, ou Miriam, qui est la sœur d'Aaron. C'est euh, Miriam, sœur de Moïse et d'Aaron, fille de euh, Ramran. Euh, mais euh, Marie, mère de Jésus, n'est euh, biologiquement parlant aucunement la sœur d'Aaron. Euh, les deux personnages sont supposés être séparés par un bon millénaire. Alors, rien que ça, ça mériterait d'ample développement parce que euh, la surah 3, on va y venir, s'appelle la famille de Imran. Et Imran, c'est le Amram biblique qui est en effet le père de Moïse, d'Aaron et de Myriam. Donc lorsque le Coran appelle Marie sœur d'Aaron, apparemment il opère une confusion entre deux personnages. La Myriam, sœur de Moïse et d'Aaron, fille de Amram, et la Marie du Nouveau Testament, épouse de Joseph et mère de Jésus. Alors pour expliquer cette euh, confusion entre guillemets, parce que certains pensent qu'il n'y a pas du tout de confusion, mais un propos délibéré, euh, pour expliquer cela, il y a eu toutes sortes d'hypothèses. Là, je n'entre pas dans le détail, il y en a qui disent que euh, c'est une façon de reconnaître la filiation spirituelle de Marie par rapport à Myriam et à Moïse, euh, d'autres qu'il y a en effet... Euh, confusion des deux personnages, d'autres que c'est tout à fait délibéré et que le Coran recrée une nouvelle Myriam qui assure euh, la continuité entre Ancien et Nouveau Testament, etc. etc. Euh, bon, vous vous rendez compte, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire euh, Que finalement, euh, le texte coranique confond euh, qu tout, qu'on fait un saut globalement de 1500 ans, là, il euh, y a une sorte de de, de, de croisement de ski de la part du prédicateur eh bien non euh, pas du tout c'est simplement une sorte de captatio benevolentiae c'est-à-dire que euh, la personne sait très bien qu'ils connaissent euh, la sœur d'Aaron et en fait on, on met en place une sorte de filiation mythique Nous en regardez cette Marie comme elle est belle comme elle est intéressante comme elle est la mère de Jésus Eh bien quelque part c'est une c'est une autre Miriam. C'est de la volonté de Dieu. C'est une façon aussi, en fait, de redonner le prestige de la sœur d'Araon sur la Marie mère de Jésus. Et évidemment, ça ne peut être compris cette chose particulière que justement par des gens qui ont déjà une culture biblique. Hein l'islamologie a... s'est trompée pendant longtemps là-dessus en s'imaginant. Qu'il y avait une sorte d'erreur, de, de, de faute de copie. En disant, mais non, la Marie, euh, le maire de Jésus, ce n'est pas euh, la sœur d'Aaron. En fait, pas du tout. C'est un procédé littéraire de la, place du prédica... de, de la part du prédicateur. C'est tout simple. C'est un peu comme si on vous disait, euh, De Gaulle est un nouveau Louis XIV. Si je vous dis ça, vous comprenez parfaitement. C'est pour ça que, voilà, vous imaginez que vous êtes euh, euh, arabe, euh, chrétien, euh, quelque part à côté d'Alep, et je vous explique que Marie, la mère de Jésus, est, est en fait euh, la nouvelle Myriam, sœur d'Araon, ben voilà, vous trouvez ça tout à fait normal. D'ailleurs, ça, 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 ça vous fait avancer même dans, dans l'adhésion à, à ce que je cherche à vous faire euh, euh, croire. Oui. Est-ce que Mahomet a confondu Marie avec Myriam Je ne le crois pas. La preuve pour moi, c'est l'expression ourt en arabe qui veut dire sœur. En effet, c'est le sens courant, mais ce n'est pas le seul. Très souvent, ça veut dire prédécesseur, ancêtre. Dans ce cas particulier, si l'on veut situer Marie par rapport à sa lignée, on dirait marie ourt aaron qui est de la lignée d'Aaron. Ce serait la façon correcte de l'appeler en arabe. La plupart du temps, Ourt dans le Coran indique la lignée plutôt que le fait d'être sœur. Ici, il faut plutôt traduire Marie, descendante d'Aaron. Bon, L'explication n'est pas absurde, « sœur » peut être pris parfois en arabe au sens de « descendante ». Bon, L'ennui quand même que nous avons, si je vais me permettre de lire certains passages, euh, c'est que nous avons d'autres passages qui vont quand même à un sens euh, euh, différent. D'abord dans la Sourate 66... Il est dit que Marie est la fille de Rimran, donc elle est fille de Rimran et sœur d'Aaron, ce qui correspond parfaitement à la Myriam biblique. Bon, pourquoi deux termes différents Et puis dans la sourate 3, euh, il est dit Quand la femme de Rimran dit Seigneur, je te voue comme t'étant dévolu ce qui est en mon ventre quand elle eut mis sa fille au monde, elle s'écria Seigneur, j'ai mis au monde une fille, je la nomme Marie. Donc nous avons quand même Marie qui est la fille de Rimran, la fille de la femme de Rimran et la sœur d'Aaron, ce qui correspond très directement euh, au, euh, à Myriam. Donc euh, l'exégèse typologique, donc l'idée que la Myriam biblique anticipe ou préfigure Marie, est une idée, euh, je crois, extrêmement plausible. Et donc le sœur d'Aaron, euh, que l'on a évidemment dans le verset 28 de la Sourate 19, donc dans le Coran, n'est pas du tout une confusion. Euh, entre Marie et Myriam. Ce n'est pas non plus euh, un, une simple connexion au lignage d'Aaron, parce que ça va beaucoup plus loin. C'est euh, une mise en perspective du personnage de Marie euh, en rapport précisément, bien sûr, à son lignage aaronique, mais également au sort final de Myriam et d'Aaron et de Moïse. Et ça, ça me paraît un élément tout à fait intéressant sur les sous-textes qui sont derrière. Mais évidemment, euh, ce genre de sous-texte, ce genre d'élément de très du Coran ne peut être mis en relief hein, d'un point de vue méthodologique que si on est attentif euh, au contexte historique dans lequel le Coran euh, est composé, aux sources éventuelles qui sont utilisées et dont le Coran fait un usage personnel et original euh, en rapport, bien sûr, avec euh, ses convictions théologiques. Dans le Coran, Jésus naît de façon miraculeuse comme dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Marie, sa mère, sœur d'Aaron, conçoit sans intervention humaine par la seule volonté d'Allah. Avec Jésus, c'est en réalité un nouvel Adam qui apparaît. Si vous regardez le texte coranique de près, vous verrez que Marie n'est pas fécondée par l'Esprit Saint, comme le suppose tout le monde. C'est dans la version chrétienne, mais pas dans la version coranique. Il y est explicitement dit que Jésus est conçu comme Adam. C'est pourquoi ces deux prophètes sont très différents de tous les autres. Dans les deux cas, Dieu utilise un modèle et envoie son souffle directement en eux et ils s'animent. Ils naissent grâce à un pouvoir magique. Parce que le souffle de Dieu est venu en eux. Parfois, Dieu dit au sujet d'Adam comme de Jésus qu'il a mis en eux son souffle. Il utilise aussi d'autres expressions parfaitement compatibles avec cette vision. en particulier, il dit eux alternative. Dieu dit nous en parlant de Lui. Nous avons mis notre souffle en eux. Il dit soit et il est. En d'autres termes, Dieu utilise un modèle en argile dans le cas d'Adam et une autre sorte de modèle qui n'est pas précisé dans le cas de Jésus. Dans le Coran, Jésus procède exactement de la même façon. Il projette son souffle dans les oiseaux en argile et il s'envole. so it says in surah number. donc dans la surah trois, il dit, in the mathala, isa, aindallah, kama thali adam, khala kahum, inturaba, thumakala kun fayakun, that the example, the parable, allah, of jesus, et comme adam, is that adam. dieu l'a créé de la poussière. il lui a dit "sois" et il a été. parce que cette analogie est extrêmement forte puisque cela signifie que Jésus et Adam sont pareils. Il n'y a pas de péché originel. Adam n'est pas la progéniture de la mort ou du péché. Jésus n'est pas le sauveur. Il n'est pas le Rédempteur. En disant que Dieu a créé Jésus de la glaise, cela semble contradictoire puisque Jésus est censé être né de Marie et non de la Terre. Qu'est-ce que cela signifie À nouveau, nous nous heurtons à de grandes difficultés si nous raisonnons sur un plan historique. Mais si l'on se situe dans la perspective théologique, nous sommes devant une bascule herméneutique. Le Coran tente de réfuter un message extrême tout en essayant de le modérer. On peut noter autre chose à ce propos. Dire que Jésus a été créé de la terre rappelle les enseignements judéo-chrétiens. Cela ne veut pas dire que le Coran est un texte judéo-chrétien, mais qu'il adopte une lecture conservatrice comme celle des judéo-chrétiens. Dans quel esprit le Coran utilise les écritures pourquoi fait-il des allusions au contenu du Nouveau Testament ou de la Bible hébraïque telle qu'on la connaissait au 7e siècle Quelle est la fonction Quel est l'objectif du Coran En réalité, cette question se pose surtout lorsqu'on n'est pas familiarisé avec la culture du 7e siècle. Une époque où, aussi bien du côté chrétien que rabbinique, la citation et l'allusion aux Écritures sont des outils tout à fait usuels. Quoi qu'on veuille dire, il faut toujours s'appuyer sur la Bible. Que l'on veuille attaquer ou soutenir la tradition ou l'opinion de quelqu'un, on se réfère à la Bible. Au 7e siècle, la Bible est le principal outil herméneutique de toutes les religions du livre, aussi bien juives que chrétiennes. Et lorsqu'on lit le Coran, on peut se demander d'où viennent ces allusions incessantes et pourquoi Mahomet utilise ainsi la Bible. Mohammed, la est-ce que c'est une stratégie pour convaincre un public particulier C'est le cas bien sûr, mais c'est surtout la façon naturelle de s'exprimer à l'époque. Il y a eu des reprises pour nous de tel ou tel aspect de ces écritures anciennes. Pour les, les musulmans, ça ne pose aucun problème, vu que l'auteur, en quelque sorte, qui est Dieu, de ces trois révélations, est le même. Euh, en quelque sorte, oui, c'est le même, c'est Dieu qui parle, et il a parlé dans les évangiles, il a reparlé, et il a repris... Et si vous voulez, on peut toujours se copier soi-même, en quelque sorte. <laughs> et alors, pour les, certains orientalistes du passé, euh, bon... Euh, Mohammed a beaucoup emprunté, et pour des, des gens hostiles, même, euh, j'ai entendu quelqu'un dire pas, après tout, c'est un copieur de la Bible, ni plus ni moins. Bon, mais euh, en réalité, même si on prend les choses euh, d'un point de vue, disons, scientifique ou, ou, ou agnostique ou autre, euh, le Coran apporte beaucoup de choses. Il n'y a pas que ces petits, ces petits emprunts. Euh, qui, euh, qui peuvent frapper de, de néant l'originalité du Coran. Il y a une manière tout à fait spécifique de, de poser les problèmes métaphysiques, euh, euh, pratiques et autres, euh, qui est tout à fait euh, euh, original dans le Coran. Orphelin, marié à une femme plus âgée, sans descendance mâle, Mahomet n'occupe pas une position éminente dans sa tribu. Quand il appelle à renoncer aux idoles et se revendique comme le porteur d'un monothéisme absolu, il va se heurter aux traditions religieuses des Mekwais. Banni de la Mecque, Mahomet est contraint de s'exiler à Médine.